Hey, salut tout le monde, regardez mon joli chapeau tout pourri. On est sur la Wii avec un jeu WiiWare. Ça commence à me casser les couilles, je vais enlever cette merde. Voilà. On va vous faire aujourd'hui, enfin je vais vous faire un test de Wild West Gun. Ça c'est incroyable, je commence à avoir ce putain d'accent. Alors c'est un jeu édité par Nintendo, hein, licence Nintendo, et de Gameloft. Waouh, les Gameloft, attendez, c'est pas le truc que j'ai sur mes portables, les pauvres jeux tout pourris là! Eh bah ouais, alors le petit bout de plastique, je l'ai, je l'ai. Allez, je vais amortir mon bout de plastique! Enfin! On va enlever la Wiimote pour la mettre là-dedans, allez! Voilà! Alors, ça c'est comme House of the Dead, ce que j'aime bien, c'est que c'est les jeux où on n'a pas besoin de se trimballer les mouchouks. Alors, ça a deux avantages. Déjà, c'est moins embêtant parce que le mouchouk, faut quand même le travailler. Ça nous enlève du mouvement et surtout, bah, ça consomme moins de batterie. Ouais. Donc, on va aller dessus. Encore une fois de plus, j'ai coupé le son, bordel. Donc, j'entends pas les musiques. Alors, c'était un petit jeu. Alors là, je vais remettre les couleurs plus bas, plus basse. C'était un petit jeu sympatoche, disponible sur le WiiWare. Hein. Donc c'est pas les Virtual Console, mais ça fait partie du même principe. Et bah oui, voilà, le 8 zapper, bah non, j'en veux pas de ce truc là. Moi, le petit bout de plastique, ça me suffit. Alors c'est vrai que c'est qu'un accessoire, voilà, c'est vraiment pour le fun. Moi j'aime bien, c'est sympa. D'ailleurs, un séjour, je vais vous faire un test d'House of the Dead avec deux manettes, Wiimote et tout. Ça va être original au moins. Ça au moins, ça me rend un petit côté flashy. Donc c'est un jeu de western, non mais c'est génial, un jeu de western. Alors moi j'aime pas tellement les westerns, je vous le conçois, voilà je me suis mis un peu de son. Mais voilà, ça reprend tous les scènes qu'on peut rencontrer dans les westerns, donc ce petit style de jeu dont je suis pas fanat. Hein. Et on peut jouer aussi en deux joueurs, hein. Donc ça c'est sympa. Alors, ce jeu, malgré qu'il pèse quoi, je sais pas, peut-être une quarantaine de mégaoctets, hein, c'est que dalle, il est quasiment aussi bien fourni que le jeu là, le Zelda qu'on avait eu avec le fameux pack avec le pistolet là. Donc c'est pour dire que c'est plutôt pas mal. Alors les jeux WiiWare, il y en a quelques-uns qui sont sympas. Alors le mode réalisateur, j'ai pas encore compris qu'est-ce que c'était. 20% des cibles atteintes. Réalisation. C'est peut-être des objectifs secrets. C'est vrai que. Je sais pas. Voilà. Donc, on entend le bruit du pistolet. Vous savez quoi? Je vais vous le descendre un petit peu. Hein. Vous connaissez la manœuvre. Je vous l'ai montré dans mon ancien test. Voilà. Pas que ça vous embête trop. Hein. Donc, on va se mettre en un joueur. Et on a 6 niveaux. Hein. Avec en niveau normal, je suis. On a 6 niveaux différents qu'on débloque bah, en faisant un certain nombre de points. Oui. Par exemple, pour passer au quatrième, il faut que j'ai 390 000 dollars ou points, je sais pas quoi. Alors, dans chaque niveau, on a 3 sous-niveaux, avec toujours au moins un des niveaux, du moins pour les 3 que j'ai fait, où c'est un shoot de cible. Alors, on a tous les endroits, comme je dis, classiques des films de western. On a les trains, l'attaque du train. On a le saloon, en dehors du saloon, là où on fait le duel, ça y est, au soleil, tout ça. D'ailleurs, petit truc, est-ce que vous savez pourquoi les duels de western, ça se passe toujours à midi pile? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh ben, je vais vous dire la réponse. C'est parce que à midi, le soleil, il est en haut. Hein. Donc, les gens, ils sont pas gênés par le soleil. C'est vrai que si on le fait à 3h de l'après-midi, et qu'on a le soleil en pleine gueule, le gars qui est en face de nous, bah, il va nous flinguer. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce petit truc, voilà, c'est une petite chose que j'avais entendu il y a longtemps dans un film. Donc on va pas se faire chier, on va prendre le premier. Donc je vous précise que pour le premier, je suis arrivé à avoir le grade en or. Hein. Attention, je m'améliore, c'est incroyable. Après presque une vingtaine d'années de joueurs, je commence enfin à devenir bon à des jeux. Non, c'est génial. Putain, c'est incroyable. Tous ces moments de solitude, tous ces Mario où je me dalle tout le temps, ces Ductal où j'arrêtais pas de paumer. Enfin, je deviens bon, merci public. Voici mon coca d'or. Alors, on a des petites choses
à shooter dans le décor. Pas dans ce niveau. Ouais. Vous voyez que parfois on peut shooter des trucs dans le décor. Alors c'est un jeu de shoot, hein, comme le Zelda, où en fait il faut cumuler les tirs. Donc il faut mieux faire moins de tirs, mais qui soient cumulés. Donc pour avoir plus de points. Donc bien sûr on a des cibles qui valent plus de points que d'autres. Hein. Vous voyez, ça les cibles classiques et celles en jaune et vert, bah, c'est je sais pas combien fois plus. Hein. Tantôt on a des adversaires. Donc il faut faire vraiment du cumul de points. Et par exemple quand on shoot dans la tête d'un adversaire, bah dans la tête genre c'est x2 encore une fois de plus. Donc c'est tout bénef hein, d'être un bon shooter. Et tantôt on a des petites bestioles à shooter. Merde, j'ai loupé. Et ça nous rapporte des points encore supplémentaires. Voilà, c'est donc privilégier la qualité à la quantité. Et parfois il faut faire un choix. Vous voyez que quand on fait 10 cibles d'affilée, on a un petit message d'encouragement. Alors parfois il faut faire un petit peu preuve de stratégie. Vous voyez, on va dire on a 6 cibles, une en or. Bah, faut mieux en faire 3 et puis la quatrième l'utiliser, la fameuse cible. Putain, il y a le nain. Pour avoir plus de points, parce que c'est multiplié, c'est toujours des multiples. Là, je vais pas faire un super score, un petit peu foiré. Vous avez vu le petit nain avant qui nous court dessus. Et puis, boum, il explose. Alors, vous voyez que ce premier niveau était très court. Enfin, les premiers niveaux, vous voyez, ça c'est plutôt mignon, les décors, hein, c'est sympa, la truc, les temps de pêche. Enfin, il était très court, mais les autres, hein. Notamment le troisième là où je suis bloqué, je venais juste de découvrir en fait, de comprendre que le shoot dans la tête c'était multiplié par 2, donc ça va me permettre de faire plus de points. Qu'est-ce que je voulais dire, ils ont l'air très courts, mais au fur et à mesure bah, ils deviennent de plus en plus longs parce qu'il faut faire de plus en plus de points. Alors c'est pas un grand jeu, mais c'est un petit jeu WiiWare agréable là, franchement. Et si vous avez comme moi fait l'acquisition d'un de ces magnifiques bouts de plastique dont tout le monde raffole, hein. Non, c'est vrai que par contre j'ai jamais essayé d'acheter en forme de club de golf ou de raquette de tennis, mais en flingue ça peut valoir le coup, parce qu'après tout sur UA8 bah, on a pas mal de ray shooters. On en a aussi 2-3 qui vont sortir là, comme le prochain Darkside Chronicle, je crois que c'est Resident Evil, et encore un autre jeu dont le Dead Space. C'est vrai qu'on aura Dead Space ray shooter. Enfin voilà, c'est un style de jeu qui est bien présent sur la Nintendo. C'est arcade, c'est convivial, c'est agréable. Donc ça peut donner quelque chose de sympa. Voilà. Alors les rail shooters, c'est vrai que ça va faire partie entière des jeux que j'ai présentés, parce que je vais me concentrer sur la Wii. Voilà, j'en ai marre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui montrent des jeux. La plupart montrent des Mario Galaxy et tout ça. Moi je vais vous montrer d'autres choses. Alors vous voyez qu'on a de temps en temps des demoiselles en détresse, hein, où il faut pas tirer dessus. On a des belles cowgirls. Oui, là, il faut pas tirer dessus. Des belles cowgirls. Mais voilà. Le petit truc, petit coup de gueule. Hein. Je trouve c'est un peu bizarre de foutre des brigands, des tuniques bleues, et des demoiselles avec des flingues, et aussi des indiens ensemble comme cible. Bon, ça fait un peu plus de skins différents. Mais voilà. Hein. Les skins, bon, c'est les personnages, la tronche qu'ils ont, quoi. Ceux qui savent pas. Mais c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est un petit peu con. Surtout que moi, j'aime pas trop le truc, les Indiens. Des Indiens avec des armes. Alors, les Indiens, moi, je m'y connais pas tellement, hein, en l'histoire des Indiens. Mais je sais que c'était un peuple un petit peu comme les Japonais, qui étaient, qui ont des valeurs et tout, et qui sont vraiment pas pour les armes. Hein. C'est, enfin, voilà, je trouve que c'est un petit peu con. Hein. Franchement, les gars, vous avez un petit peu merdé là-dessus. Mais bon, on va pas vous en vouloir, je vous ai quand même acheté votre jeu, et je l'aime bien. Et j'ai bien envie que d'autres personnes l'essayent aussi, parce que c'est un jeu plutôt agréable. Donc, il y a encore un peu le bruit du flingue, j'espère que ça vous gêne pas, hein. Je suis désolé sinon. Voilà. Non, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un jeu très agréable. Et ça fait partie de ces petits jeux un petit peu originaux. Bon, c'est vrai que c'est un jeu assez, on va dire, casual quand même. Étant, j'ai loupé celui-là. C'est vrai que après, j'aimerais bien me montrer un petit peu des jeux un peu plus matures. Mais on aura du Metroid prochainement. Hein. Allez, les amigos là. Et Desperados, voilà. Je préfère la bière, Desperados, que Segal. Bon, c'est un jeu agréable à jouer. Bon, je trouve qu'il est un peu petit celui-là. Hein.
Oh lui, regarde, il fait tout péter. Non mais c'est quoi ça? C'est malin ça de faire tout péter, hein, franchement. En plus, le train il continue à avancer. C'est bien. Hein. Bon, hop, on passe au niveau suivant. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand menu, il y a une petite durée de vie. Mais après, c'est des jeux arcade, hein, comme House of the Dead. En 4 heures, c'est bouclé, hein, le histoire. Et oui, en plus, bordel, j'ai encore eu une médaille en or. Non, mais... Bon, platine, je suis encore un peu loin. Vous voyez qu'on a précision 85%. Eh, bordel, c'est la consécration en ce moment, là. Je vais finir par être un bon joueur. Mais c'est beaucoup d'émotions, là. Ah, c'est des conneries que je dis. Ah, là, 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 là. Ah, oui, bof. Ah, écoutez, hein, non. Je vais pas vous en montrer plus, hein. Je pense que c'est déjà pas mal, que c'est, vu que c'est pas un jeu qui a une grosse durée de vie. Donc voilà, c'était Wild West Gun, voilà, sur la petite Wii, en jeu WiiWare. Hein. Donc si ça vous plaît, ce genre de jeu, et si vous avez un petit bout de plastique à amortir, hein, parce que c'est plutôt joli mon bout de plastique, hein, avec mon beau tuning noir. Voilà, si ça vous plaît, bah moi je vous invite à le tester. Hein. Donc malheureusement, il n'y a pas de démo comme les jeux Xbox Live. Enfin, je pense pas, mais c'est un petit jeu qui mérite votre attention. Voilà, bah moi je vais vous laisser. Hein. Je vais encore vous faire un troisième test. Hein. Franchement, c'est les vacances. Hein. J'ai envie de vous faire plaisir. Voilà, donc moi je vous dis bah à bientôt. Hein, vu que de toute façon, jeudi live, jeudi, j'irai live parce qu'aujourd'hui on est jeudi en plus. Au lieu de vous préparer l'émission, je vous fais des vidéos. Je suis gentil. Hein. Allez. Moi, je vais vous laisser, hein, et je vous dis à bientôt. Alors, encore un petit coup de chapeau, là, pour le fun. Ah, oh, putain, attends, sinon il y a le chapeau comme ça, là. Oula. Ah oui, le logiciel, il plante, parce qu'il gère le jeu et la webcam en même temps. Il y a beaucoup de boulot d'un coup. Voilà, allez. Sur ce, hein, avec mon super chapeau mal foutu, je vais vous laisser, avant qu'on ait 13 minutes, parce que ça, je suis un petit peu superstitieux. Je vous dis... A bientôt, hein, et n'oubliez pas, les Jedi Live le jeudi. Bordel, ça cale. Allez, salut tout le monde.